Ah, vous êtes là! C'est qui eux? Non, non, on n'était pas du tout dans la cuisine, les refs. Hein. C'est le ramadan. Non, on s'est fait griller, merde! Vas-y, on se barre. Gaze! Wesh la famille, c'est comment? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous m'avez sous ma nouvelle coupe. Regardez, je suis sous tresse, les frères. Voilà, t'as une tête à claque avec. Je tenais à te le dire. J'avoue, j'aime pas, y'a pas de typer, y'a rien, c'est. Eh, aujourd'hui, les frères, on va passer en mode. Sportif. Sportif, et là, regardez. Là, je vais me mettre en Dark Sasuke, les frères. Vas-y. Quand je mets la capuche, là, je suis inarrêtable. Ça veut dire, là, si tu me fais un combo de boxe, t'es une légende, là. Non. Mais pourquoi tu me parles de bagarre directement? Moi, je te parle. Mais parce que tu ressembles à un voyou. Ah, on est des racailles, nous. Non? On n'est pas des racailles. On fait les racailles, mais on est dans des pavillons, frérot. Ah, ouais, on est des gentils, nous. Ouais, oui, frère. On vient à la campagne, frérot. Bah ouais, tu me fais la cité, là. La famille, aujourd'hui, on va devoir brûler 10 000 calories en 24 heures, pendant le ramadan. Vous imaginez ou pas la somme? 10 000 calories. Eh, les frères, là, on est sous ramadan. On pue de la gueule et tout. Il est actuellement 9 h du mat, 10 h. On est le matin. On va devoir, moi et Adem, faire du sport aujourd'hui, vous l'avez compris. Et on va devoir calculer à chaque fois à 2. Imaginons, on va courir. Hop, on a pété 300 calories. Calories, on va dire. Bah si tu cours une heure et demie, t'auras calculé tant de calories pour une heure de course. Voilà, et on va comptabiliser pour Adem et pour moi, et on additionne jusqu'à arriver à 10 000 en une journée à deux. Vous avez capté? Parce que si c'est 10 000 chacun, la tête de ma mère, c'est impossible. Je pense même que 10 000 à deux, c'est impossible, frère. On est sous ramadan, mon pote. Il y a moyen, il y en a un aujourd'hui, il tombe dans les vapes et c'est la fin. Ouais, c'est vrai. Vu les activités qu'on fait pour perdre des calories vite et bien, frère, c'est une dinguerie, on va souffrir. En vrai, la famille, prenez pas ce risque. Voilà, le faites pas chez vous. Nous, on va essayer, on se met au défi. Tu connais YouTube, hein, on fait des conneries comme ça, on sait pas pourquoi. Maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. On vous laisse à la vidéo. Bon visionnage, c'est parti. On va aller là. Il a dit on va aller faire chier les gars, c'est ça? Bah non, je suis là, je suis prête, on y va. Ça dit quoi? Ah, elle est là, elle aussi. Oh, la tête d'œuf. Ouais, vous avez tous les deux une tête d'œuf. Ouais, de ouf. Eh, vous venez avec nous, on va faire du sport aujourd'hui. Bon bah au revoir, tu viens, on va faire du sport. Ah non, en fait je dis pas non, vas-y. Tu dis pas non? Ouais, vas-y. Ah ça va, y'a Kayla avec moi. Et y'a Casta, t'es une traître. Eh, vous savez quoi, vu que vous deux vous faites pas de sport, il y en a un qui porte le sac. Bah moi j'en ai déjà un. Bah. Ok. Du coup là on doit aller chercher des coupelles parce qu'Adam il va me faire un entraînement de foot qu'on va faire ensemble. Et un ballon de foot logiquement. Voilà, donc c'est parti, pas de crampons, ça y est, ça fait des frais en plus. Bon la famille là on est en train de marcher depuis tout à l'heure. Il est dit que en gros en fait on en profite pour marcher là pour aller chercher les coupelles et tout le reste. C'est simple ça, environ 2-3 km, ça fait une heure à pied frère, une heure et demie. Non, ça fait 40 minutes aller, 40 minutes de retour, on est sur 1h20. Ouais c'est ça. Ça fait 750 calories. Chacun? Ouais, 750 calories chacun et à 2500. Franchement en vrai, c'est incroyable, ça avance vite. Allez on essaye de valider ça les refs, let's go ça marche. Les sœurs elles ont trop le seum parce qu'on n'a pas pris de taxi. Ça va Kayla? J'ai chaud. Ça va sous ramadan on vous fait marcher? Moi j'ai soif là. Eh hey, regardez il y a des arbres de citron là-bas. On s'en... Attends, qui lui dit on s'en bat les reins genre? Qui lui a dit qu'est-ce qu'on en a à faire des citrons? Moi, ton ressenti Léa sur cette marche de bon matin? Ça fait du bien. Tu vois elle est positive enfin. Là c'est elle qui a le seum là. On fait chaud frère. Kayla est gris, pourquoi? Elle a soif. T'as soif? Ouais, je la gorge sèche. Ah bah dès le matin, force hein. Allez, 40 minutes encore comme ça, vous allez tenir, vous pensez? Moi oui, en léger. Ok. En léger. Moi aussi je vais te dire. Voilà, va chialer frère. Ça y est, tu commences? Eh, venons, on commence les paris. À partir de combien de minutes elle va commencer à pleurer? Ça fait 10 minutes en marche, à 20 minutes elle pleure. Moi je dis aujourd'hui Kayla boit. Non, abuse pas. Non, moi je dis elle pleure dans une heure. Facile, une heure, elle pleure. Mais frère, dans deux minutes là. Non, parce que là, elle va faire Zama, elle tient. Bah alors. Mais c'est pas pour ça que je pleure. Elle commence déjà à pleurer parce que ça fait 20 minutes on marche. Mais non, c'est pas pour ça. Bah la preuve que si, ma grande. Mais non, c'est parce que tu m'as fait le TikTok et je te dis pas mais t'es méchant. Bon, vas-y, explique-leur parce qu'on comprend pas. On l'a pas compris, mais en fait, j'ai fait un TikTok hier soir. On a regardé un film d'horreur en famille et du coup, elle est tétanisée. On lui a dit de pas regarder. On lui a dit de pas regarder avec nous, un regard avec nous et du coup, elle faisait des cauchemars. Elle est venue avec moi dormir et elle a pleuré, elle a fait une crise d'hystérie. Je l'ai filmé et je voulais le mettre sur TikTok. Sauf que elle, là, elle chiale parce qu'elle veut pas que je le mette. Oh là, c'est un gamin. Non, en vrai, le met pas. Elle aussi, frère, on lui dit à chaque fois, on regarde pas les films d'horreur. Mais non, t'inquiète, j'ai pas peur. Bah, chiale. Elle a pleuré. Assumons, t'as dit c'était pas de ton âge.
Bon, on est en magasin de ballons, les refs, là, on a trouvé une petite balle. Comme on est en Turquie, je peux pas la ramener en France, dans la valise. Au calme, on va jouer au foot ici, ce sera un investissement, dis-toi. C'est frustrant, la pauvre. C'est un investissement, frère. Ok. Tu fais une vidéo avec, t'es rentabilisé, c'est carré. Celle-là ou celle-là? J'aime bien la rose, elle est belle gosse. C'est quoi la première balle avec laquelle je fais un tour du monde, on la prend? Vas-y. Bah, c'est fait le tour du monde. Si t'arrives pas là, et ben on prend l'autre. C'est fait aussi. Allez, vas-y, on prend la rose, pas frère. Pas mal. Voilà. Merci. On prend la rose. Eh, la famille, juste avant, il y a un monsieur, il nous a reconnus. Je sais pas si vous avez entendu. Il a dit, ah, vous faites des vidéos sur YouTube ou une connerie comme ça. Bref, en tout cas, on a acheté. Je vous montre. Il y a les coupelles à l'intérieur. C'est même pas des coupelles, frère, c'est des plots. Eh, Adem, voilà, t'as intérêt de me faire un vrai entraînement de foot avec ça. T'inquiète, tu vas voir, je vais faire un entraînement professionnel. Toi, t'as géré dans le foot à l'ancienne. Ça veut dire que tu connais un peu les entraînements et tout. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est pour ça. Vas-y, je compte sur lui, les refs. Kayla, vous venez jouer au foot avec nous, Léa et Kayla, ou... Oui, moi, je suis chaud. Tu te faire du foot. Ouais. Ça va être laborieux. Bah, j'observe. Oh, ça va être horrible. Allez, maintenant on va où? Manger. Non, je rigole. J'ai faim. On a rien commencé encore, j'ai la dalle. Ça va faire un foot, hein. Maintenant là? Bah oui. Le bébé qui pleure dans Décathlon, je vais gommer ta mère. Vas-y, on y va. C'est sportif, pas Décathlon. Regardez où nous sommes actuellement, les frères. On est sur un terrain de foot qu'on a privatisé avec Bilal. Oh, il commence à pleuvoir. T'es pas. Non, mais t'es nul en fait. Comment? Ça fait longtemps le Et foot. En fait, là, le but, les frères, bah, viens parler à ta commu. Le quoi? But, ça va être... De marquer des buts. Aussi, mais en fait, je vais te faire un entraînement physique, enfin, moi aussi, et là, on va souffrir, là, on va perdre des calories, mon pote. Attends, niveau calories, c'est dit que... J'arrive déjà plus à respirer. Une heure d'entraînement de foot intense, ça fait 600 calories. À deux, on est à 1200. Et voilà, on a privatisé pour une heure, on sait ce qu'on a à faire pendant une heure. Vas-y, let's go. T'es mort. Bon, là, je prépare en gros, slalom autour des plots, et après tu frappes. Ok. Et ça tue les cuisses, hein. On fait combien de tours chacun, à peu près? Bah, 3 chacun, parce qu'après, il y a vitesse navette, balle au pied. Vas-y, on met un gardien à chaque fois. Vas-y. Bon, la famille, on est avec mon père. Papa, t'es chaud, tu vas au goal? Yes. Allez. Papa au goal, et moi, je suis le caméraman. Allume-le. Faut en profiter, c'est la première fois que je vais allumer mon père. Là, y a pas de pitié pour tout ce qu'il m'a fait quand j'étais petit. Tout ce qu'il m'a fait. Bon, est-ce que t'es prêt? Vas-y, la démon. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Hyper physique, Bilal. Plus vite. Oh, t'es nul. Attends, je la refais. C'est prime. Concentration. Merci. Mais attends, tu finis. Ouais, je tire doucement. Je vous ai dit, j'allais l'allumer. Tire doucement. C'est bon, vas-y, je tire doucement les prochaines. J'ai trop de force. Il voulait tuer son père. Ouais, j'étais un ouf. Quelque chose à dire? C'est le meilleur. Aïe. 3, 2, 1, let's fuck. Wesh. Ouais. J'ai pas tiré fort parce que sinon j'allais lui casser une jambe. Bon, là j'ai mis la capuche, ça va être autre chose, les frères. C'est parti. Tu vas trop vite, doucement. Oh non. Oh, la bicrave. Je voulais mettre un petit placé là. Pétard, but, presque à côté du petit filet. Victoire, tu connais. Bilal, pour le prochain exercice, c'est simple. Regarde bien, tu vois les plots ici derrière toi? Ouais. Tu vas démarrer du plot rouge. Ouais. Tu vas aller au plot jaune avec la balle. Tu vas revenir au plot rouge. Tu vas repartir au deuxième plot rouge ici. Et je reviens. Tu vas revenir ici et tu repars jusqu'au jaune. Tu fais un geste technique et tu frappes. Ça fatigue. Vitesse navette, mon pote. Pendant le ramadan, ça va être dur, vas-y. C'est parti. Eh, la famille, voilà, sous ramadan, regardez. Il pleut. C'est pas incroyable, ça fait trop du bien. Allez, je fais ton exercice là. 1, 2, 3. Tu bloques. Tu bloques. Tu repars. Tu reviens. Tu prends la balle. Et tu bloques. Tu repars. Voilà, et tu reviens. Tu reviens. Tu prends la balle, tu fais un geste technique au plot jaune. Voilà, fini. Oh là là, la finition. C'est bon ou pas? Oh, la finition. Le geste, il était nul, mais ça va. Ouais, j'étais pas trop KO. Ça y est, là, je suis pété, là, on rentre. C'est 3 passages chacun, mon gars. Oh là là, vas-y. Hey, la vie de ma mère, la famille. J'ai... Là, regardez, hein, c'est tout blanc. Ah ouais. J'ai la pâteuse. Tu vas pas t'en sortir comme ça, toi? Ouais, c'est mon tour. S'il te plaît, continue de pleuvoir comme ça. C'est comme si je buvais. 1, 2, 3, c'est parti. Tu bloques, tu repars. Oh, ça glisse, tu reviens. Allez, tu repars. Et tu repars, là t'arrives. Yes. Bien joué. Le goal, il est éteint, les frères. Franchement, autant pas mettre de goal.
La famille? J'ai trouvé un exercice. C'est parcours jonglé du milieu de terrain. Et t'arrives juste ici, tu frappes. En reprise de volée. Par contre, c'est une dinguerie. Croyez-nous qu'avec le ramadan, la fatigue, elle se multiplie par 100. Et déjà, t'es nul aussi. Et j'ai soif aussi. On n'a pas les tenues et tout, on joue à l'arrache, frère. Oh, je suis éteint, les frères. Pose pouce bleu, les amis. Merci, vous êtes des bons. Allez, parcours jonglé. Si elle touche le sol, je te mets une droite. Wallah, ça fait 6 mois, j'ai pas fait de jongle. Il commence déjà avec les excuses. 1, 2, 3. Et tire pas en l'air, hein. Oh là là là. Allez Adem, nous déçois pas, t'étais hyper fort à cet exercice quand t'étais petit. Ok. T'es prêt? Oh, poteau. Oh, de poteau. C'est pour vous les abonnés celle-là. Musique épique, c'est parti. Allez Bilal, me déçois pas s'il te plaît. Mets-moi une pleine lucarne s'il te plaît. Fini. Oh là là, la parade du gardien. Putain, c'est pas fini. Là, je tire au milieu de la cage. Tu l'as quitté, daron, je rigole. Adem, là t'as une coupe de professionnel. Donc je vais la mettre. But de professionnel. Ok, c'est parti. Vas-y, me déçois pas ou je t'éclate. Allez Adem. Tu nous la rentres? Magnifique ça. C'est beau ou pas les frères? En fait, hors caméra, ils ratent toutes leurs frappes. C'est juste les marqués qu'ils ont enregistrés. Papa, il nous a poucave, wesh. En vrai, on est nuls. En fait, c'est parce qu'on n'est pas en condition, on fait le ramadan. Bah oui. Ça veut dire qu'on vous a mis que les buts, mais ça fait 2 heures, on est là. Bon, la famille, maintenant, dernier exercice. Je suis en sueur, mais vous le voyez pas, mais je suis en sueur. T'avances avec la balle et dès que t'arrives au plot, pétard. Ouais, c'est simple, ça. Allez, frérot. Oh, en puissance. Nkaramefi. Messi, mais qu'est-ce que tu fais, wesh, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis devenu trop nul au foot, frère. Mais t'as jamais été fort. Déjà, j'étais bon. 6 mois de YouTube, tu vois plus personne, t'arrêtes le foot en club, t'es éclaté. Ça se perd le foot, je vous le dis, hein. Allez au foot, les refs, sinon vous allez être nuls. T'es mal pour comment je vais le manger. Non, dans la supprime. Je supprime pas, frère. Supprime. Non, t'assumes que t'es trop chape. Je la refais. Il va où? C'est bien, mais t'es trop loin. T'as marqué Psartek, mais t'es allé trop loin. Je sais pas, c'est au plot que tu dois marquer, hein, pas ici, genre. Vas-y, c'est bon, je la refais. Non, c'est bon, c'est à moi. Je la refais. Non. Qui joue en TN déjà? Mais qui joue en Oswego, frère? Voilà, commencez même pas en commentaire à dire on est nul. Regardez ça, ça va mettre tout le monde d'accord, c'est bon? Vas-y. Tu veux quel geste technique là au plot? Si t'es vraiment technique comme moi, tu me mets une virgule. Ok. Virgule, pied droit, frappe pied gauche. Non, bah non. Bah, virgule, pied gauche. Ah, possible. Et bah, passement de jambe simple, toi aussi t'es nul, frère. Vas-y, virgule. Bilal, j'ai dit une virgule, pas un crochet à la droite. Mais t'as vu le geste que tu me demandes? Mais je sais le faire. Tu crois que je suis brésilien ou quoi? Passement de jambe, c'est bon? Vas-y. Merci. Fini. Papa, tiens. Non. Je suis bon. Voilà, j'étais ancien joueur technique. Adem, j'ai une idée. Ouais. Soit t'essayes de faire un arc-en-ciel à papa, soit tu lui tentes le petit pont. Essaye de le dribbler. En fait. Ok, 1v1. Essaye d'humilier le daron. Ok, c'est parti. C'est le moment, c'est notre seule chance. Vas-y. On va se faire démarrer à la fin. Allez, viens. Aucun respect là. Ça me traître, va. Je suis une légende. Bon, on valide nos calories. Ça fait exactement 1 heure d'entraînement de foot bien intense. 600 calories à 2, on a fait 1200 calories. Je suis en sueur. Voilà, je suis KO. Je suis tout mouillé, les frères. En tout cas, ça fait plaisir parce que dans cette activité là, on a joué au foot, ça fait longtemps. Bah, en fait, on est nul puisque ça fait longtemps qu'on a arrêté le foot. Ça fout la haine. Moi encore, je m'en sors bien. Non, vraiment, un petit peu. Juste un commentaire. Ce que vous en pensez, en vrai, c'était pas ouf, mais vas-y, au calme. Le plus important, c'est de participer. C'est aussi, et on s'est bien défoulé sur papa. C'est vrai. C'est des enfoirés, ils sont vengés. Bon les amis, on se retrouve à la salle de ping-pong avec les filles. Adema. Salut les frères. Bref, on s'est changé aussi. En gros, je vous explique. Alors le ping-pong c'est très simple. Est-ce que vous voulez faire quoi alors? 1v1. On fait un tournoi. 1v1 déjà, ouais, le c'est un tournoi, ça s'appelle un tournoi. Oui,
et le perdant il saute. Laisse-moi faire ma phrase en fait. C'est parti la famille pour un 1v1v1v1. A chaque fois ça change. Un tournoi quoi. Le gagnant reste sur table. On va voir c'est qui le meilleur de la famille au ping-pong les frères. On l'avait fait au Maroc, là on le refait en Turquie pour le Ramadan, c'est carré. Il faut savoir qu'une heure de ping-pong c'est 250 calories. Ça veut dire Adem, toi et moi là, à deux on va perdre 500. Allez c'est qui commence là? Moi contre Adem. Là t'as mis mon Bob. Ok, ton Bob plus légende, ça fait le Bob légendaire. Ça veut dire toi et moi on se retrouve en finale, c'est tout ce que j'allais dire. C'est tout, mais je vais te péter en finale. Ah ok. On se retrouve en finale. Mais... Vas-y. T'es prêt? Ouais. Garçon. Ah ça commence. Rappelez-vous Maroc, j'avais pété un câble sur ce jeu de merde. Pas de gros mots, pas de gros mots. Allez. Je veux. Alors Bouyachaka. De deux. Alors on va en quatre. Vas-y quatre alors. Vas-y quatre. Merci. Non, j'ai le droit de service. Non, y'a pas de ça. Y'a pas de ça. Mais wesh, vous connaissez pas les règles. 3, 2. Ah comment il est moche. Yes. 4-2, tu sors au suivant. Ouais, j'arrête de jurer pour ça. Merci, 1-1. Désolé, j'avoue, j'avais dit j'allais arrêter de jurer, mais c'est dur. C'est un travail sur soi-même. Je fais quoi, ma gueule? Cher, 2-1. 2-1. Ça y est, frère. Elle est trop nulle. Je vous l'avais dit, c'était un coup de chance. Ouais, calme-toi. Après, c'est moi, mon ref. Sors. Je suis proche, je suis à gauche, je suis à droite. Tu seras rien de discuter, on entend sa haine parler. Il reste un point et tu la sors. Bah tu sors, c'est à ton tour Bilal. C'est parti. Allez, les deux perdantes là. Sur le côté. Garzo, hey Adem. Je vais te détruire. Ok, c'est parti. Victoire. Alors, y'a pas de deuxième service. C'est le résultat de Dieu en fait. Allah Zawajel. Vas-y. Qui a mis une tempête Gabriel à Bilal. Vas-y. C'est bon, t'es nul comme ça. Je vais me reprendre à la Non, tu vas pas te reprendre. T'es pété depuis tout à l'heure, tu fais le mec. J'ai envie de le buter. Et c'est reparti pour un tour. Mais wesh, il est trop nul. Enfin bref, les amis. Bon, la famille, je pense qu'on va arrêter là tout de suite puisque. C'est pas fini. Le dernier point, il sert à rien, je t'ai lavé. Adam, il y a 3-1. C'est pas fini. Tu veux que je t'humilie encore plus? Vas-y, arrête, vas-y. Allons-y. Bilal, joue bien s'il te plaît, wesh, arrête de bigler. Remontada. Ta merde. Ta merde. Mais wesh, t'es aidé. Allez. Là. On laisse parler sa haine, les amis. Ça va? Ça y coupe. Venons, on refait la scène, frère. Ah, attends. Venons, on refait le ping-pong. Non, non, mais moi, je dis que tellement je t'ai éteint, t'as même pas pété de 10 calories, là. Match retour ou revanche ou... On continue, on continue. Adem reste sur table, le gagnant reste sur table. La légende reste en place, mais... Jusqu'à qu'on l'éteigne. Je vais le buter. En même temps, il y a que moi qui étais archi forte hein, depuis le début. Eh les refs, j'ai une idée. On va faire un 2 vs 2. C'est bon Adem ou pas? Moi je suis chaud. De toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe avec qui je suis, on va gagner. Ok, bah les filles, garçons contre filles. Ok, c'est parti les amis, on y va. Tu fais quoi toi? Arrête de snapper à ta meuf. Pourquoi t'envoies... Bah faut snapper les victoires, mais faut aussi snapper les défaites. Mais comme y a pas de défaites, je snap pas les défaites. Il y a déjà eu des défaites, la tête d'homme, il montre que les victoires à sa meuf. Donc si la meuf à Adem, elle passe par là, hors caméra, il est trop nul. On le bat sur tout. C'est juste que toi, il te montre le point positif pour faire croire que c'est un mec trop fort et tout. Alors que c'est une grosse merde. Léa va vous répondre. Est-ce que c'est la vérité ce qu'il a dit ou pas? Oui. Voilà. Voilà. Franchement, bien vu le complot, bande de chétades. C'est en 3 les amis. J'ai la balle, vous êtes prêts? J'ai la balle aussi. Pierre, feuille, ciseaux. C'est parti. T'es nul. Merci. Un pas dessus. Un pas dessus. Bah oui, mais ça me fait aussi. Tu vois, je suis pas pour moi. Merci. Touche pas, merci victoire, dehors on a gagné. Ah merde, j'ai du bouillon.
Comment j'enlève la caméra de ce putain de trépied de merde là? On fait pas de tournant, tu vas t'aider, je ma revanche. Puis tout à l'heure il fait le malin, voilà, on va faire notre revanche. Bon, moi je vais nager. Arrête Adem, Léa viens nous filmer s'il te plaît. Je viens quoi? Nous filmer, je veux ma revanche là, je veux crier, je veux péter un câble. Si j'ai pas ma revanche, casse mon ramadan là tout de suite. Ouais, non, casse ton ramadan, c'est entre toi et Dieu, ma gueule. Non, tous dans les commentaires, là. Sur la vie de ma mère, tu fais pas ta revanche contre moi, c'est que t'es éclaté au ping-pong et t'as peur parce que tu sais très bien que je veux t'anéantir. D'accord. C'est bon? Ok. Voilà, maximum de Adem, t'es éclaté au ping-pong dans les commentaires parce qu'il veut pas faire sa revanche. Fais ta revanche! Tout ça pour des mots en commentaire, mais la victoire elle est pour qui? Merci. Mais fais ta revanche! Fais ta revanche! Non, du coup, il a perdu. Fais ta revanche! Non, du coup, il a perdu. Ça le perdant, va. C'est le perdant qui arrive. Bah, viens, on en refait une alors. Viens, on en refait une, je lui propose. Normalement, le perdant, il est pas censé reproposer quand il se fait casser les fesses. Mais t'as le droit de refuser. Non, t'as pas le droit de refuser si t'es un vrai bonhomme. Ah bon? Si t'es un vrai bonhomme, t'as. Est-ce que c'est dans la religion ça? Non, donc je le fais pas. Qu'est-ce que tu racontes avec la religion et le ping-pong? Bien, il ne faut pas se transformer parce que t'as perdu pour un sport. Calme-toi, frérot. Je t'ai lavé ça, Harry. Bah alors, viens, on refait ça. Non, j'ai plus envie, je suis fatigué, j'ai fait mes 600 calories. Moi, j'ai un truc à proposer. Vous voyez le mec là? Je vois qu'il est trop fort, je vais l'éteindre, c'est bon? Non, non, j'ai pas envie de filmer, je me barre. Ok. On range le matériel et on rentre à la maison. Ça, c'est vraiment le comportement de quelqu'un qui flippe sa race de perdre une deuxième fois. Vu qu'il a gagné sur quelque chose de. Genre instinctif, le hasard complet, et bah du coup il veut pas. Vas-y, bonjour. Donc, Lavé, Leia, Kayla, Bilal, c'est du hasard. Alors refais avec moi, juste avec moi. Mais c'est pas en faisant ça que je vais rejouer. Non, mais là, il se transforme en diable. La défaite, ça réussit pas à tout le monde, hein. Qu'est-ce qu'il me fait le bon samaritain avec son bob là? Je t'ai dit, le bob, c'est grâce à ça que t'as gagné, frère. Au Maroc, t'avais gagné. Attends, je m'en fous. On t'écoute pas. Victoire. On t'écoute pas. Je jure au nom d'un âge, j'allais gagner. Le deuxième match, j'allais l'éclater, il veut pas, c'est un mauvais. Ah! Eh, vous allez où là? À la salle de sport. On vous accompagne à la salle. Ok. On a des calories à perdre, ça continue mon ref. Et c'est dit que 1h30 de musculation est égal 450 calories en moins. À deux, on est à 900 mon pote. Let's go. Dylan. Ouais. Tout ce que je t'ai mis en place pour que tu maigrisses. À la muscu. C'est vrai, c'est grâce à la muscu, grâce au sport. Dis-moi maintenant comment on fait. C'est à toi de faire le programme pour les abonnés. Déjà, on va faire ça là, les séries de. Comment ça s'appelle? Bah, je t'ai appris quand même. Non, mais on s'en bat les reins du nom, frérot. Non, mais c'est important de le dire aux abonnés, c'est du développé couché. Voilà, développé couché. Ne pas savoir le nom, ça m'a permis aussi d'être comme ça. Quoi qu'il arrive, regarde, j'ai maigri, même si je connais pas le nom des exercices. Bilal, je vais te dire un truc. Même si t'as maigri, ça n'empêche pas que tu perdes. À tous les jeux. Non mais Adem, s'il te plaît, tu peux passer à autre chose par rapport à ça ou pas? Tu peux passer à... Ah, parce que t'en fais une faiblesse. Espèce de fragile, je t'ai éteint ma gueule. Maintenant, fais du développé couché. Bon, j'ai mis 5 kilos de... C'est tout? Encore un truc de perdant, ça. Putain, il est tout faible, le frérot, alors qu'il a une allure de grand gaillard. Mais il est nul, il a pas de force. Vas-y, ça suffit. Tu vas essayer de soulever 10 kilos, toi, après, je te mets. Non, je fais comme toi. On va faire... On peut être le même nombre de calories, frère. On va faire 5 séries... Non, 4 séries ou 5 séries? 5 séries de 10, c'est bon? Ah, 5 séries de 10 répétitions. Allez, bismillah, on fait le ramadan. Allez, mon champion. Fais pas ça, Adem, parce que là... Star, non, vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, musique. Non, pas de musique. Ta gueule, musique. Pas de musique. Musique. Pas de musique. Ok, 1, 2... Mais deux... pourquoi tu demandes au monteur de la musique? 1, 2, 3... Je vais le fumer. 1, 2, 3, musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je suis chaud, hein. Merde, j'ai pas descendu, j'ai failli taper. 7, 8... 9 et 10 10 11 D'ailleurs, arrête de faire le malin, t'auras plus de force pour les autres séries. Ah, je suis une légende ou pas? Allez, à toi, 10 kilos, je te mets encore 5. Adem, ça fait combien la barre? Les kilos de la barre? 20 kilos normalement. À la salle en tout cas, oui, celle-là je pense elle est à 10. Après ici c'est gros, moi je dis ici à 20 kilos. Plus 5 plus 5 ça fait plus 5 plus 5. Allez, 40 kilos mon ref, vas-y. C'est parti. Ça fait combien de temps on fait le ramadan? 15 jours? Un peu plus. J'ai plus de force. Je suis plus une légende. Ah, wesh, t'es trop faible, wesh. Ah, c'est parce que... Moi, en fait, pour être... T'as les mains sales. Tu m'as fait mal, là, frère. Je suis désolé. Tu prends qui, wesh? Tu lèves la main sur ton grand frère, là. Mais j'ai tapé sur ta main, frère. Vas-y, fais du sport, là, avant que je te tarte, là. Parle pas avant que je te remette un tarif au ping-pong, frère. Vas-y. En vrai, je faisais exprès. C'est parti, les amis, on y va. C'est tous les... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 10
Bravo, mec. Bon, c'est du gâteau, vas-y, c'est nul. Bon, là, on est sur une machine, c'est pour les pecs et les épaules. J'ai toujours eu un peu de sein sur la chaîne. Faut qu'il se transforme en pec. Allez, recule, c'est parti, on y va. 1, 2, 3. Oh. Ok. T'as mis combien de kilos, là, à peu près? Hein? T'as mis combien de kilos, à peu près? Je sais pas, mais j'ai mis très lourd. Ah, le mytho. Oh, c'est trop lourd, ouais. Regardez, il a 10 kilos, là. Il a 10 kilos. Mais je fais le ramadan. T'as 10 kilos. Je fais le ramadan. Mais c'est trop nul. Attends, vas-y. On va mettre 50 kilos. 50. Vas-y, maintenant ça va faire la diff. Oh, putain, c'est trop lourd. Tu mens. Quoi? Tu mens. Et là, je mens pas, wesh. Vas-y. Mais je fais exprès, j'ai juste pas envie de trop forcer, putain. Ça, c'est si vous voulez avoir des gros pecs, les frères, et des épaules bien marquées, vous faites cette machine. Oh, comment je les sens bien. T'as vu, ça brûle ici. Non, je parle de je sens bien ta bouche. Non, j'avoue, je les sens, ça brûle les pecs. Les amis, il y a une fille qui se douche. Vas-y, Adem, c'est le ramadan, frère, et arrête de parler comme ça. Mais il y a une fille qui se douche. C'est une déduction, genre. J'ai pas dit que j'allais la rejoindre. Allez, on continue. J'ai le malin avec moi pour les 50 kilos. Vas-y, toi. Tu mets tes mains comme ça? Je sais pas, sois logique. Bah, je te demande, en fait. Bah, quand tu ramènes tes mains devant, regarde si ça le fait ou pas. Vas-y, j'essaye. 1. Ah. Ah, wesh, wesh. Ah. Tu sens au pec, là. Bah, ça te démonte. Ah. En tout cas, ça te fait un petit front, ce truc. Ah. Yeah. Ça démarre. Allez, wesh, 15, on l'a dit. Je le sens vraiment au pec. Ça se voit qu'après, je vais plus avoir de sein, genre. Mais c'est terrible, genre. C'est vraiment une machine exceptionnelle. 2. 3. 4. Pendant le ramadan, je vous jure, c'est pas évident. 5. J'ai pas d'énergie. Ce que j'aime bien, la sensation quand tu fais de la muscu, c'est la haine. Genre ça brûle, ça fait du bien. Mais non. Si, je vous jure. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tes mains. Il nous montre un bras qui n'existe pas. Si, il existe, regarde là, touche. Tu vois? C'est musclé ou pas? Franchement, il est plus stock que moi. Là, franchement, tu commences à me rattraper. Je dis la vérité. Je l'ai vu le clin d'œil. N'importe quoi, c'est le ramadan, on va pas mentir. Bon, vas-y, continue. Vas-y, tout en musique, à ton tour. Tout en musique pour le montage, en fait. Ah ouais. Ouais, genre là, ça y est, on a fait, on se barre après. Non, là, il faut que ça soit mouillé ici, mon gars. Ok, t'inquiète, vas-y. Ouais, Benjamin, tu vois le plan d'avant, juste avant, où je fais, hey, je suis trop moche, on dirait un alcoolique. S'il te plaît, si tu peux l'enlever. Non, Benjamin, l'enlève pas, s'il te plaît, parce qu'il est vraiment moche, genre, sur ce plan. Et d'ailleurs, on va refaire un petit zoom sur ce plan. T'as trop le seum. Non, s'il te plaît, Benjamin, ce sera 20 euros en moins si tu le fais. Bah non, c'est... Si t'écoutes Bilal. C'est moi le boss, en fait. C'est moi qui parle avec le monteur tous les jours pour les vidéos. Oui, tu parles avec lui, mais c'est qui a accès au virement? C'est moi. Merci. Allez, on reprend le sport, les amis, c'est parti. Benjamin, si tu laisses le passage, je te remets 20 euros en plus. On s'en fout de lui. Là avec moi les amis, on va faire du tapis de course. Oh là, je suis éteint, j'ai trop mal, je crois que je suis en convulsion. Comment ça s'appelle? Congestion. Congestion. Et c'est parti maintenant, on va courir les amis. C'est dit que 30 minutes de course à 8 km à l'heure, tu dépenses 250 calories. Donc à 2, on est à 500. Ouais, du coup j'allais en venir. Ça pue sa mère tout seul, genre c'est nul en vrai. 250 calories, tu cours une heure. Et ça, 30 minutes. Courir à la fin de vos séances, ça fait un décrassage. Ne courez pas en début. Genre à la fin, une fois que vous allez rentrer, vous courez bien, ça évacue bien. En fait, je trouve ça trop marrant maintenant que ce soit le gros qui dit ça, genre. Ah ouais, le gros de la chaîne qui parle. Tu vois, franchement, t'as géchant, mec. Et ça, je trouve ça bien. Si vous voulez pas courir, vous pouvez marcher en inclinaison à 15 décibels. Comme ouais, si. Bah, tu vois, t'as tout foiré à dire ça, puisque c'est à 15 cm. C'est à 15 degrés. Enfin bon, t'es parti. Et tu vas mettre 18 de vitesse. Tu vas mettre une piquette, mon pote. Non, faut courir à 8 km, je l'ai dit. Ah, c'est à 8 km heure. 8 km à l'heure. Ah, c'est de la trottination légère. C'est parti, les frères. Arrête, je leur fais mal à la tête, là. Comment ça fait du bien? J'ai un truc à vous dire pendant le ramadan. Ne soyez pas en mode quand vous pouvez faire du sport, faites du sport. Ça fait trop du bien à la santé. Je vous jure, hier on a fait du sport. Je le stoppe dans son élan parce que ça fait 15 jours on dort. Et là il me dit ça.
ça fait 15 jours que tu dors. Moi, je me réveille tous les matins. Faire quoi? Attendre sur le canapé? Oui, oui, très exactement, oui. Bilal. Bilal. Imagine si c'était ma façon de courir comme ça. Ouais, vous sortez, les gars, vas-y, j'arrive. C'est gênant, ouais. C'est gênant. Ouais, moi, ce que j'allais dire, je reviens te voir quand ici c'est à 30 minutes ou une heure. C'était une heure. 30 minutes, 30 minutes, doucement. Là, quand c'est à 30 minutes, je reviens. Je vais faire bronzette. Tu crois vraiment, je vais. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu le menteur? Il vous ment, les abonnés. Il fait le mec qui fait du sport, il fait sa scène et il se barre. Non, non, mais je la rallume. Allez, cours. Mais toujours pas là. Tu fais quoi, wesh? Mais Bilal va faire ton sport. On est deux à le faire. Soit tu le fais avec moi, ça c'est pas la peine. Fais-le et après je le fais. Là, la machine à se relance, je voulais vous dire que je troll. Hein. Voilà, je rigole pour la vidéo. Mais en vrai de vrai, c'est grâce à ça que j'ai maigri. J'ai perdu, j'étais. Quand on était à Dubaï, je sais pas si vous avez suivi un peu la chaîne, j'étais à 92 kilos. Aujourd'hui, je suis à 77. Et c'est parce que j'ai fait ça. Mais c'est. Enfin... Ouais, je t'ai forcé! Je l'ai réteint. Espèce de gros sumo. Mais c'est tes pecs qui touchent ici tellement ça pend. C'est gratuit tout ça. Je suis désolé. Clippé, mettez sur TikTok. Voilà, j'ai pas aimé durant toutes ces années qu'on m'insulte de gros. T'essayes de créer une sorte de buzz ou en mode... c'est vrai, à l'ancienne, j'ai pas toujours été gentil avec Adem. Je disais ouais, Adem, espèce de gros porc et tout. C'est toi qui es devenu la pastèque après. C'est moi qui... Dieu, il m'a donné le corps d'une pastèque aux ors. C'est bon, ça t'a bien calmé, je pense. Et au final, c'est la roue à la tournée. Non, c'est pas bien de dire ça. Bah c'est Dieu qui m'a fait ça du coup. C'est Dieu qui donne, frère. Ouais. Aujourd'hui, j'ai réussi à maigrir malgré que Dieu il m'a donné le corps de gros porc que j'avais. Mais on a fait. Tu parles en tant que victime. On a fait le travail nécessaire pour y arriver parce que j'ai subi du harcèlement quand même sur la chaîne. Non, en vrai, je m'en tape une côte. Voilà, quand on m'insultait de gros porc, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je voulais juste maigrir pour moi-même parce que je me sentais pas bien. Je commençais à déborder, frérot. Parce que t'as une meuf. J'ai pas de meuf. J'ai pas de meuf. Tu veux le dire combien de fois? Mito. J'ai pas de meuf. Mito. Mimi, j'ai pas de meuf, j'ai des meufs. Non, c'est pas vrai. C'est le ramadan, Starfall. Wayarabi. C'est toi qui a commencé. Toi qui a continué à dire la vérité après. Mais toi, t'as vraiment une meuf, donc c'est toi plutôt Starfall. Moi, j'ai une future femme, moi, je suis en discussion, moi. Ah ouais, elle est longue la discussion, ça fait 2 ans ça traîne, mon pote. Mais je suis en discussion avec les parents, frère, c'est tout. C'est pas moi qui décide. Vas-y, sérieusement. C'est bon, je m'y relance. Allez, moi, je te regarde. La famille, on est complètement arraché. Je pense que ça suffit là pour aujourd'hui là, ça y est là. En tout cas, je pense qu'on a réussi. J'ai hyper soif, c'est une folie, Adem. Voilà, je pourrais boire toute l'eau de la piscine. Je crois que je vais boire la tasse, hein. Je vais faire exprès. Enfin, je vais faire genre, j'ai pas fait exprès, mais j'ai fait exprès. Trop tard, là, Dieu il sait, frérot. Ah, tu peux pas mentir, c'est mort. Je vais faire genre, oh putain, s'il te plaît, bon. En réalité, faites attention pendant le ramadan si vous faites du sport au final. Ne vous poussez pas trop parce que après vous allez tomber dans les vapes. Ouais, après, ce sera de votre faute et ce sera à vous de rattraper votre jour ou vous serez tombé dans les pommes. En tout cas, on a bien sué, voilà que ça fait du bien. La vie de ma mère que. Pendant quelques jours j'étais mou, mais le fait de faire du sport, même si c'est physique, bah ça me rend en forme. Ouais, c'est ouais, trop bizarre. Je vous jure, ça donne vraiment la pêche. Après on va pas se mentir, notre séance qu'on fait en France, elle est plus complète parce que la salle de sport elle est meilleure. Là ça va, c'est pas mal hein, ce qu'on a à l'hôtel. À l'appart. C'est un appart hôtel en fait. Mais vous savez là, quand je mets le bandeau là. Je vous jure, je suis plus fort. Je suis plus fort au foot. Là, dommage, au foot tout à l'heure, j'ai pas joué avec ça. Mais quand tu mets le bob, t'es encore plus une légende. C'est vrai. Surtout le bob qu'il y a dans la BD là. Ah ouais, il fait beau, la piscine là, c'est incroyable. Attends. Alors Adem, il est dit que 1h30 de natation, c'est 700 calories en moins. À deux, on est à 1500. Ok. Putain, il a forcé à éternuer. C'est le soleil, moi direct j'ai une réaction chimique. Allez ref, ça va se mettre à walp, et ça va aller dans la piscine, et ça va faire des distances. Des longueurs. Des longueurs, c'est pareil. C'est parti les frères. Déjà, on va aller toucher l'eau pour voir si elle est pas trop froide. Un Starfall là, c'est du glaçon. Non, en vrai, ça va, je rigole. Non, ça va, elle est bonne, wesh. Franchement, ça va. Ne pousse pas, ne pousse pas. Ne pousse pas, fais pas ça, frère. T'as pas envie de faire un petit tour dans l'eau? Non, t'inquiète. Vas-y, Adem, là, si t'es chaud, tu sautes comme un animal dans l'eau. Mais pourquoi toujours ça fait ça avec nous? Vas-y, moi, je veux prendre les escaliers, je pense. Ah, s'il te plaît, Bilal, j'ai le corps chaud. Vas-y, t'as un bonhomme ou pas? Non, wesh, je rigole. Ok, 1, 2, 6. Oh, le fou. Moi c'est mort. Je prends les escaliers les frères. C'est un garçon. C'est froid? Wallah. Allez les frères, je rentre tout doucement. Wouah. Vas-y saute d'un coup s'il te plaît, fais comme moi. Mais ça ce qui paraît c'est bien pour les muscles. Ouais, t'en as pas. Le gamin.
C'est trop froid, wesh. Vite, vite, y'a des gens qui te regardent faire des cris chelous. Wow. Oh, c'est mental, c'est mental. Ah oui, c'est une dinguerie. C'est mental. Dis-toi, j'ai sauté en entier. Allez, c'est parti, ça va faire des longueurs là. Ah, je fais mes 15 longueurs et je me casse. Ah, c'est froid. Vas-y, mets ta tête sous l'eau. C'est bon, ferme ta mère, frère. Mets ta tête sous l'eau. Oui. 1, 2, 3. Espèce de fatigué. Oh. T'as vu comment c'est froid? La tête d'homme, je sens plus tout mon corps là. Tout mon corps, je le sens plus. Pourtant, il fait 20 degrés. Attends, tourne la cam. Je vais te dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, ça, c'est un coup de traite, ça. Je crois que t'oublies qu'on fait le ramadan. Eh, hey, si on avale, on est mort, les frères. Ouais, tu me craches dans la bouche, frère. La famille, je suis hyper congestionné pourtant. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de trucs, mais ça fatigue. En fait, c'est trop bizarre. La natation, c'est aussi le cardio. Je suis choqué à quel point ça fatigue. Voilà, j'ai plus de. Tout ça là, je me sens hyper stock. J'ai hyper mal. Oh, ça m'a mis KO les frères. T'es pas mal la vieille. Je rigole. C'est à reprendre. Déjà, c'est le ramadan. Je rigole. Et en plus de ça, tu regardes les vieux. Je rigole, frère. Je peux regarder. La tête d'homme est mort caméra, je crois. Tu me dis pas mal la vieille. Mais c'est pour rigoler. Toi, t'as un truc avec les vieilles et les enfants. Mais ouais, j'étais ouf quoi. T'es bizarre. Je vais m'envoyer en taule. Hey, la meuf d'Adem revoit tes priorités. Je crois que ça va pas de son côté. Hein. Eh oh, les enfants. Je rigole. Moi, bon, elle saute dans l'eau là. Ah, t'es chaud. Là, on fait notre plus gros plat. Je commence. Plus gros plat? Ouais, on essaye de vider la piscine. Ok. C'est bon? Vas-y, j'essaye. Vas-y. Là, en fait, mon but, c'est même pas de me faire un plat ou quoi. C'est vraiment de faire la plus grosse éclaboussure. Vas-y. Vas-y. 1, 2, 3. Franchement, ça va. Ça va? Ouais. Vas-y, à toi. Let's go. Bon, bah, j'ai tout vidé, les frères. Wesh, Bilal. Allez, mon frère, là, c'est le sauna. Ça y est, j'en ai marre, wesh. C'est vrai que je suis éteint, exténué de cette journée de sport. J'ai changé 7 fois de t-shirt, 30 fois de coupe. J'en ai ras-le-bol. Ça y est, wallah. Une heure de sauna, 300 calories. C'est tout. A 2 égale 600. C'est déjà ça de prix. Allez, on y va. On n'atteindra jamais les 10 000. Moi, je vous le dis. Allez, les frères, on rentre dans le four. Parfois, ça m'a pas manqué le sauna. Faut se mettre à poil, non? Ouais, je t'attends, mec. Viens, on reste habillé. Comme ça, il y a plus de calories. Bonhomme. Bonhomme ou pas? Bonhomme. J'ai même mon tel dans ma poche. Wow! T'as ton tel dans ta poche, bah non. Bah, je rentre la cam quand même, donc. Alors, les amis, on est juste ici. On va s'installer là. Bon bah là on s'est placé petit à petit, je pense que là c'est à 40 degrés mais ça va monter petit à petit jusqu'à 90. Je mets le thermomètre là, le sable, c'est parti pour 5 fois 15 minutes. Non t'inquiète pas besoin, ça mets le chronomètre sur ton tel, une heure. Hein. Comment on va souffrir les frères? Y'a pas une des sœurs pour nous accompagner là? Elles nous ont bien laissé dans la merde. 3, 2, 1, démarrer. Tu me laisses parler, pourquoi tu me coupes? Excuse, parce que j'ai déjà chaud. En plus, ça colle la montre, ça fait chaud. Les sœurs nous ont bien laissé dans la merde, ce vlog-là. Genre, y'a même pas de compatis, elles veulent même pas te faire de sport. Ma langue, la vie de ma mère, c'est une éponge. Alors, dis-moi que c'est le dernier truc après. Ça y est, après, tu vas voir, j'ai réussi à gratter des trucs techniques. Vous êtes pas prêts, en calories. Vous allez comprendre, vous allez rigoler. Ouais. Déjà, attends, je vais le dire ici. Putain, ça fait que 30 secondes. Déjà, on est les seuls gags où on fait ça habillé, frère. Mais la tête d'homme, ça met 100 calories en plus, parce que t'es habillé, frère. Le cerveau utilise par jour environ 320 calories en réfléchissant. Ça veut dire on a 320 calories en plus, là. Ding. Voilà, 640 à 2, du coup, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup réfléchi malgré tout. Ouais, c'est vrai, faire du ping-pong, les stratégies et tout. Allez, moi, Adem, je t'abandonne, mon pote. Ça va dormir, hein. Si tu te réveilles pas, bah... Oh, y'a moyen, je me réveille pas. C'est quoi, si tu dors, moi, je me casse. Oh, y'a un pain. Bilal, dis-toi, avec tes gros pieds, là, t'as touché mon tel, ça fait seulement 1 minute 45. Putain, ça va être long. Bon, allez, c'est parti, les refs, on va griller comme de la grillade. Bon, les frères, j'en joue plus, là. Adem. Quoi? C'est pas fini, bonhomme. Bonhomme de quoi? Bonhomme. Bonhomme de neige, hein? Ah ouais. 1, 2, tu vas pas zoomer. 3, ça fait 20 minutes. 4, il en reste 40. 5, 6, 10. Allez, frère. Bonhomme.
T'es un bonhomme, mais moi j'ai un truc à vous dire. J'ai déjà fait plein de fois ce sauna. Je me suis salé crampé. C'est là. Au bout de 30-40 minutes que moi perso je deviens tout mouillé. Regardez là, ça commence à briller. Non, y'a rien, mais. Ça va arriver d'un coup après 25-30 minutes normalement. Mais je sais ce qu'il faut faire. Faut fermer sa bouche et faut le faire. Bon, sinon, viens, on se ferme notre bouche tous les deux. Tu fais quoi, Bilal? Adem, vas-y. Tu vois, on devient fou aussi. C'est quoi ces challenges de merde? Ah, j'avoue. Mettez un pouce bleu là. J'avoue, mettez un pouce bleu, ouais. C'est quoi cette coupe de fou furieux? J'ai trop faim. T'inquiète, on va se casser le bide là, bientôt. Eh, je pense que nous, on va pas manger avec tout le monde d'ailleurs. On va manger de notre côté parce qu'on a vraiment une diète spéciale à suivre. Bah, ouais, puisqu'on a pas perdu toutes ces calories pour les reperdre, reprendre. Ouais, mais bon, on va se péter le bide, mais dans le bon sens. On est tout mouillé, J'arrive pas à respirer, frère, voilà, j'arrive pas à respirer. Depuis le début du ramadan, c'est le pire, là. Attends, je demande à Léa, je sais pas, nous ramène un truc de l'eau fraîche. À boire, ouais, on peut pas, mec. Bah, pourquoi? Parce que c'est le ramadan. Fais-moi un bisou. Ça casse le ramadan. Tu de la putain de bise. De la bouche. Ça sent pas t'as les crampetés? Putain. Non, vas-y, au calme. Ça sent le panier. Ah, ça y est. Avec les vêtements. Il reste 17 minutes. Eh, mais c'est une dinguerie, le sauna, ne sous-estimez pas, hein. Écoutez. Tête d'homme, tout ça c'est de la sueur. Ah, t'es chaud, je te fais un judo de sueur. Ouais, mais oui. Bois le wesh. Donc t'as combien on sort? Donc t'as zéro. Il reste 17 minutes, ça y est, frère. Non, on les fait, frère. Ouais, je peux autant de la gueule que ça. Frère, même le bout de bois il s'est crispé, frère. Ah, j'ai chaud. Il reste 10 minutes. Avec le gel. Hydroalcoolique. Avec le gel, c'est dégueulasse ce que ça fait. Ça fait de la pâte, mec. Je cède. Attends, je suis le ramadan de merde. La famille, on est sur un défi validé là. Oh, la validé là. Plus combien? 640. Ouais, 640. Les... Pourquoi on fait ça, frère? Pourquoi on fait pas des vlogs normaux? Je sais pas. Ah, le prochain, c'est un vlog normal, je vous le dis. On va manger, c'est l'heure? C'est l'heure de manger. Allez, je vais tout dévaster vite. Manger. T'es coincé, mec. Ouais, s'il te plaît. Je peux ouvrir par là, tu sais. Là, j'en ai perdu une. Attends, viens, on va se doucher, non? J'ai faim. Mais là, on sent la panier, frère. On a une odeur de champignons, mon pote. Alors, les frères, qu'est-ce qu'on a au menu? Bon, on se douchera après, hein, pour l'instant, one life. Nous avons un plat très diète, c'est-à-dire de la dinde avec du riz. Vas-y, tu leur montres ou pas? C'est ma mère qui a tout préparé, maman, t'es la boss, voilà, je t'aime, regardez ce qu'elle nous a fait. Ah, autant pour moi, les amis. Cette femme... Pourquoi t'es aussi près de mon visage? On dirait que tu vas me galocher là. Parce que j'ai envie de... Non, c'est pas refondre. Mais parce que t'es belle. C'est juste parce que j'ai envie de te galocher. Vas-y, viens découvrir. Bref, moi j'ai fait que les fruits. Ah bah tu sers à rien, elle a fait ça, vieux truc. Tu sais, le mec qui est pas content de ce qu'elle a fait alors que c'est sympa. Je te fais ton assiette, mec. Ah mais c'est quoi ça? C'est du poulet, frère, qu'est-ce que tu me fais chier? Ok, maman elle a fait du blanc poulet comme ça là. Mais pourquoi tu mets la sauce moutarde tout de suite? Mais d'abord le riz, et cette sauce là tu la mettras sur le riz. Mais il te faut un plat en sauce aussi, mec. Regardez. Mais t'aurais pu faire une présentation, c'est dégueulasse. Mais c'est une présentation, wesh. Non, en vrai, ça va. Mais dans tous les cas, vous savez où ça va finir, ce plat? Vas-y, arrête. Merci. Hein. Ah, aussi, les refs dans le frigo. Alors, Léa, elle a acheté tout à l'heure des boissons protéinées, on va les tester. Il y a 27 grammes de protéines. Mais qu'est-ce que tu me racontes avec ton coca? Oh oui, mais... Wesh. Voilà, c'est un fou. Wesh, il a oublié pendant 3 secondes qu'il était en diète, le poteau. Vas-y, on mange là, c'est là. Attends, allez où l'autre boisson de protéines là? Je viens de la poser, mec. C'est toi qui l'as dans les mains, espèce de sumo. Ah. Pardon. Allez à table là. Bon, ça haftolkom à tous. Allez, va casser, Léa, ouais, c'est pas bien d'attendre. Oh, c'est délicieux. Franchement, Léa, t'as trop bien cuisiné. Ah non, c'est pas toi. C'est pas elle. On va faire honneur à Léa. Bismillah. Et attends, mais pense à ma cuillère. Mais où ma cuillère? Elle est là. Merci. Oh, bismillah, ça fait du bien là, ça fait longtemps. Pourquoi tu prends pas de couteau pour couper la dinde? Ouais, elle est trop bien cuite, donc du coup, fais comme ça. Elle s'enlève toute seule, comme du beurre. Bon, la famille, si vous voulez manger protéiné comme nous, le riz, les pâtes... Dinde. La dinde, le blanc de poulet... Un panier. C'est délicieux. Bon, on va goûter votre boisson au cacao, là. Et le blanc de poulet, il est incroyable.
Oh, j'ai chaud. Oh, c'est du candy up. Pour ceux qui demandent les protéines, à quoi ça sert? Tu leur dis? Ça sert à avoir plus de force quand tu fais la muscu. Enfin, les professionnels, dites en commentaire à quoi ça sert la protéine. Ça va t'aider en fait pour ton muscle quand tu vas faire du sport et tu vas tenir plus longtemps en fait. Tu vas finir tes répètes. Quand tu vas faire de la muscu, tout ça. Les fruits, évitez le sucre. Parce que le sucre, tout ce qui est coca, soda, ça a à bannir. Putain, je fais trop le professeur, voilà. Ça y est, le mec, il a maigri, il croit, il a percé. Attends. Non, mais j'en ai encore, mais c'est en train de maigrir. Arrête de me rendre fou. Tout le monde. T'es sur la bonne voie. Voilà, merci les gars, je suis sur la bonne voie. Oubliez le sucre, les bonbons, tout ça, c'est mauvais, c'est ça qui fait vraiment grossir. Et buvez de l'eau. C'est le plus important, c'est l'eau. Je savais même pas qu'on avait acheté du melon. En tout cas, les refs, on termine de manger. C'est excellentissime. Ouais, mais on voit le coca après le tournage. À demain. Par contre, t'as le droit à un petit plaisir par semaine. Ça, c'est vrai. C'est le premier de la semaine, donc. C'est une espèce de. Je le prends maintenant. C'est mytho. Les résultats, mec. On a gagné ou on a perdu? Bon, la famille, verdict, est-ce qu'on a été des légendes ou pas? Véridict, bénédict. 7000! 7000 tout pile! Ah, ben on a perdu. On a perdu le challenge. C'était impossible, frère. Faites-le. On a 3000 calories de réussir. 7000 à 2, hein, parce que c'était impossible déjà à 2, alors tout seul, frère. Ça veut dire que je suis à 3500 tout seul. Dites en commentaire si vous avez kiffé. C'est une vidéo pas comme d'habitude, en vrai. Hein. Ouais, moi, je trouve ça stylé de temps en temps, tu sais, de... Non, plus jamais. Ouais, plus jamais. Le défi n'est pas relevé, mais pendant le ramadan, pour moi, c'est un truc de ouf ce qu'on a réalisé, ça. On s'est donné vraiment à fond, les frères. C'était une dingologie. En tout cas, en espérant que vous avez kiffé... Moi je vais terminer de manger après là. Bref, la famille, partagez la chaîne à vos amis et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos, pour un nouveau vlog qui arrive très bientôt. Il est masterclass. Ce sera un vlog dans un yacht de luxe avec les sœurs. Un yacht si vous préférez. Voilà, journée de folie, ça va être incroyable. Restez à l'affût. Bref, salam la famille. Ciao tout le monde. Vas-y, ouais. Ramène des gâteaux, donne le coca là. Des gâteaux. My cook. Le bâtard. Il a tout tué.